grand profil, il s'agit de multiples rencontres, celles de Christophe, danseur, de moi-même, marionnettiste, la croisée de nos pratiques, de corps, de matière, d'objets, de marionnettes, celle aussi d'un scénographe, Mathias Baudry, avec lequel on travaille, qui construit les objets du plateau, et une autre rencontre, celle de Cadmos, un récit mythologique d'un fondateur. Cadmos, c'est l'histoire d'un jeune phénicien qui est chassé de chez lui parce qu'il doit chercher sa sœur Europe enlevée par un certain Jupiter, mais il ne le sait pas, il est obligé de partir et il parcourt tout le pourtour méditerranéen pour arriver jusqu'à l'endroit où il doit fonder Thèbes, guidé par les dieux, un peu comme ça, aveugle lui-même, mais poussé par des forces qui l'emmènent à construire cette seconde cité de l'Occident. Nous interrogeons effectivement sur ce qui nous pousse à se présenter face à l'étrangeté de cette matière, de la matière, du corps de l'autre, du corps inerte. Qu'est-ce qui motive notre curiosité à aller vers, à transférer un poids pour aller à la rencontre d'un aplat à du volume, d'un contour à un contenant comme ça qui s'offrirait à nous. Goûter la transformation que ça laisse, que ça impacte chez nous, dans le geste, dans la façon d'aborder. Du coup, des modes de mise en relation qui composent un nouvel alphabet de gestes, une culture du geste comme ça qui est donnée en partage. On pourrait dire que profil, c'est une sorte de poème tactile, visuel, sonore, qu'on cherche à écrire à partir de ce récit, de cette rencontre entre le récit et cette matière brute que Mathias nous apporte.